aujourd'hui, on va manger des crêpes. Donc, pour faire des crêpes, on a besoin des trucs à crêpes. Ensuite, on a besoin de fromage et après, on a besoin de jambon, de Nutella. C'est à peu près les ingrédients qu'on va mettre dans notre crêpe. Tout le monde. Hello everyone, welcome back to Kumi's channel. So today, Gaga will make a crepe. It's Tuesday night. It's Tuesday night. Bukas walang pasok. C'est quoi le date aujourd'hui, chérie? Le 2 février. Le 2 février, c'est le jour de crêpe en France. Non, c'est le... C'est la fête. C'est la fête du chandelier. C'est la fête du chandelier. C'est jour de crêpes. En France, les gens mangent des crêpes. Son rayon kami ay kara indinan crêpe. Son crêpe namilis butter, Nutella, of course Nutella, sugar, crêpe sucre. Attention avec ce que tu vas faire. Ham. And. Fromage. Cheese. So, kaka ina, si Chloe gagawa na ako na. Kwa na di ba? Of course. Just one. Da. Butter. So. Si, moi j'ai du candiap. Je suis pas là. Tu peux m'en passer ça, s'il te plaît? Dépêche-toi. Vite. Ok. Tiens. Tout ça. Pancake time, see? Ganon lang po siya. It's so easy. And then, ta-da! Wow! C'est rouge! Je pense que c'est pas bien, hein. C'est trop chaud la stick. Ah! Allez, mets un grand! Panghalo, panghalo! My goodness! Ferme la porte! Moi aussi, je voyais les, j'ai oublié quelque chose. Tu veux quoi, chérie? Je veux des crêpes avec fromage et de jambon. Fromage et jambon. So, hamachaka. Allez, chérie, tu mets. Tu mets pas beaucoup, hein. Si, que c'est tout, hein. Allez, tu mets du fromage. Tu mets du fromage, non, non. Attends, un peu. Non, pas trop. Okay. Du fromage. Attention, tu te rends avec, là. J'ai mis beaucoup de fromage chez moi. Ok. Et encore? Encore? Oui, on a plein de fromage. La ganache est dans ma dame. Hop. Et hop. La crêpe est déjà prête? Voilà. Kasi hindi kami nagagamit ng salt. Kasi yung... cheese is maalat na siya. At saka yung ham. So, ano? Tap, 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 tap. Voilà. Et c'est cuit. Regarde dans ton verre. Regarde. It's cooked. Tu en manges. Il y a du beurre. Ah ouais, mince. Pourquoi t'as mis cuillère? Tapos ako gagawa din ako ng Sabi ko ng butter. Attends, c'est le nôtre ça? Ah oui, c'est le nôtre. Oui, c'est le nôtre. Bon allez, bon appétit. Bon appétit à toi.
Ah, il y a un truc noir. Ouais. C'est beau. Alors, t'as pas le droit de manger ça. Cheers, Chloé. Cheers. Cheers, guys. C'est la fête des crêpes. C'est la fête du chandelier. Chandelier. Nice. Pancake day. Hop là. Again, attention, I'm home. No, baby. Tu manges des croquettes là, Milo. T'as pas le droit de manger ça. Tu veux encore plus ou pas? Pourquoi? Là, le fromage, le jambon, oh, je veux de Nutella. On voudra après de Nutella. Après de Nutella. Yung aso namin umiiyak siya. Milo, non, 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 bébé, t'as pas le droit de manger ça. Non, 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 c'est trop salé, c'est trop sucré. Il a pas le droit de demander. Non, il a pas le droit de manger, ok. Est-ce que notre chien peut manger des crêpes? Non. Un chien peut manger des crêpes. Un chien, il peut manger des crêpes. Est-ce que un chiot peut manger des crêpes? Ça éteint le... Tu veux encore? Yes? You want more? Mm-hmm. Encore? Mm-hmm. Alors, c'est à toi ça alors. Marty? Rafa? Oui. Maman, c'est quoi la langue la plus difficile à prononcer dans le monde entier? Je sais pas. So guys, c'est Nanu Yung Crêpe. Donc, par contre, je me suis posé une question et... je me suis dit, c'est quoi la langue la plus difficile en... dans la planète entière. Donc voilà. Et par contre, réfléchissez bien avant de dire, ça peut peut-être... Dites quoi? Ça peut être, la Chine, ou la Russie, ou le français, ou le Philippines, ou le Bisaya, ou l'anglais, pas l'espagnol, l'italien, non. Plein de choses. Donc, réfléchissez bien. On va tous aider ça. Attends, pour moi, dans Google, c'est quoi la langue la plus difficile à prononcer? Quelle est la langue la plus difficile à prononcer dans toute la planète? Chinois. Chinois. Chinese. Chinois, la panne de la langue la plus difficile du monde. Le chinois et l'UNESCO rend à César ce qui appartient à César. C'est très officiellement que la panne de la langue la plus ardurée est attribuée aux Chinois. Donc les Chinois... Le chinois c'est la plus difficile. Donc, les Chinois qui nous regardent, votre langue est la plus difficile à prononcer dans le monde entier et à apprendre aussi. Donc voilà. Par contre, je suis sûre que si je dis quelle est la langue la plus facile à prononcer dans le monde entier, ils vont dire l'italien ou l'espagnol. Hein. Alors, non, c'est le bisaya, hein. C'est trop facile. Non, je te jure, c'est soit l'italien, soit l'espagnol. C'est méga facile ça. Quelle est la langue la plus facile à prononcer dans le monde entier? L'anglais et l'allemand. Si, c'est l'anglais. Ah, l'espagnol et l'italien sont faciles à apprendre. En gros, c'est du français en plus chantant avec
un O ou un A à la fin des mots, l'allemande est une grammaire étrange. Donc l'anglais, l'espagnol et l'italien. Donc ceux qui, les anglais, les espagnols et les italiens, votre langue est la plus facile à prononcer. Vous avez du mal, dis donc. Les français? Par contre, les français, eux, c'est pas une super langue. Cette langue est dure quand même à apprendre. Bah ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est pas la plus dure du monde. Ouais. C'est un peu. On n'a pas beaucoup de jambon. Je vais tout finir de jambon, hein. Non, je vais tout finir de jambon. Il y en a plus, là. Ah. C'est le dernier. C'est une gourmande. Je vais les chercher en plus. La France, 77,7 millions d'habitants. Oui, tu dis ça en anglais? Les États-Unis, 60 millions d'habitants. La Chine, 55,7 millions d'habitants. L'Espagne, 52,7 millions. Mais là, je dirais que c'est la France qui y a le plus. Ah non. Parce que c'est 77,7 millions. Mais regarde la Chine. 55,7 millions. Mais là, c'est quand même 77, hein. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est bizarre, hein. 77. La France a gagné. Ouais. C'est quoi cette... Mais non, ça, c'est des touristiques internationales, Gérald. Wow, mais il y en a quand même beaucoup qui visitent la France, dis donc. Oh, je croyais que c'était des populations. Combien est la population de la France? Mange. Oh, wow. Eat. Oh. Quand même. 66,99 millions. Demande la Google. C'est ça? Demande Google. C'est beaucoup plus fort, regarde. Beaucoup plus fort. Je demande à Google quoi? Je demande à Google. Qui est la plus. Beaucoup de monde qui vit dans ce pays. Get guys. Quel est le pays le plus habité dans le monde? Ok. En tête du classement, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande. Mais non. Normalement, c'est. Arrête-moi là, tu vas faire la cuisine. Lui, il a écrit. Normalement, c'est la Chine et Andorre. Non. C'est l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande. Combien il y a d'habitants en Islande? On dirait que tu n'as pas une comparaison. Ouais. Tu as appris quoi aujourd'hui à l'école? À l'école, on a appris à. Ouais. Tu as appris quoi? On a appris. De quoi? Non, Milo. Pourquoi tu as délivré? Parce que j'étais allée chercher de fromage et après elle est sortie. Tu dois remettre ton corps? Quel est le pays le plus habité dans le monde entier? Chine. Bah oui, c'est Chine et Andorre. Non, il y a juste écrit Chine. La Chine, c'est un plus. Petit peu. Bah. Après, je vais être dans la cuisine. Non, je donne pas ça. Un petit peu. C'est une grosse petite passion. C'est pas beaucoup. C'est quoi la taille? Waouh! Dis-moi, c'est quoi la taille que tu lui as donnée? Tu as donné que ça? Oui, mais ça? Oui, j'ai fini ça. Là, vous, on reste quand même dans ma main. Quel est le pays
le moins habité dans le monde. C'est quoi? Quel est le pays le moins habité dans le monde? Vatican. Tu connais Vatican? Où ça, Vatican? C'est en quel pays? Elle a 800 habitants. Et mais je peux le payer. Ah mais par contre il n'y a que 800 habitants, c'est ultra court par contre. Tu sais pourquoi? Non. Parce que Vatican c'est de paix, sacré paix. Sacré paix? Sacré paix. Sacré? Pourquoi? Parce que ça on les religieux ils sont religieux. Tu connais? Et le pape? Le pape? Je connais le pape. Non. Alors, non, Mildo, c'est parti pour ta chimie. La Vatican. La Vatican. Pays en Europe, la Vatican, ville, état, situé au cœur de Rome, Italie, et le chef. Tu finis ça après, je vais le faire des études là. Catholique. Romain est la résidence du pape. Il a plus de nombreuses œuvres d'art et d'architecture. Non, Lolo. Les musées de Vatican renferment des sculptures romaines antiques telles que le célèbre. Non. Ainsi que les fresques renaissées dans les chambres de Raphaël et les chapelles Sixtine connues pour son plafond réalisé par Michel-Ange. Quel est le continent le plus habité dans le monde? Milo. Mais hier, mais on a son âme. Oh, please. L'Asie. Quel est le continent le plus habité dans le monde? C'est l'Asie. T'as de la chance, quand même. Qui est la maman la plus belle du monde? Après, tu veux de quoi, chérie, de sucre? Tu veux du sucre? C'est une chanson, maman la plus belle. C'est une chanson qui est la maman la plus belle du monde. Tu veux du sucre après? Mange! Est-ce que tu veux du sucre après? On verra. Tu veux poser quoi comme deuxième question? Est-ce que tu veux encore de crêpes? J'ai que le fromage sans jambon? Parce qu'il n'y a pas de jambon. Non. Mes questions sur Google. Ah, question sur Google. J'ai rien à poser. J'ai rien à poser. Alors tu demandes, on raconte une histoire pour le. Il était une fois une petite fille. Qui avait une grand-mère. La grand-mère lui avait cousu un chapeau. Et après, un jour, le chapeau. Un jour, le petit chapeau rouge devait rendre visite à sa grand-mère pour lui donner une galette et du beurre. Alors, elle. Oui, je sais, la forêt est beaucoup. La forêt est un chemin beaucoup plus rapide. Non, mais là, tu vas aller dans la cuisine. Mais à cause du loup, c'est une kitchen monkey. Mais à cause du loup, je ne peux pas y aller. Donc après, là, le petit chapeau rouge trouva un chien. Un chien s'appelle comment? Je sais pas. C'est pas un chien, c'est pas un loup, non? Peut-être qu'il trouva un loup, mais en fait. Là, elle trouve un chien. Elle croyait que c'est. Non, Milo. Viens, Milo, viens. Viens, viens la cuisine. Allez, tu portes ton truc et après tu.
Bah, je vais chercher les trop crêpes, moi. So guys, bon, bah, c'est la fin de la vidéo parce que là, on a fini. On a réussi le challenge. Parce que là, je... Donc voilà, j'avais complètement oublié que ça finit. Ouais, ça fait trop mal. On a trop mangé. Chloé, il a combien t'as mangé? T'as mangé combien? 5. She eats 5. J'ai mangé 5 crêpes. 5 crêpes. Et toi? Combien de mangé là? Bah, je mange. Hindi ko na malala kung ilan ang nakain ko. Basta parang ang bigat-bigat. T'as mangé 5 aussi? 5? Non, 6 quand même. Ouais, je pense que j'ai mangé plus que toi. C'est trop lourd. T'as mangé 7 crêpes. Juste 2. Oh, tornaro. Ang sarap na matulog. Allez, 1, 2, 3. Arrivederci. Adios. Hasta luego, amigo. Hasta luego, amiga.